qualité de prophète, sous l'onction prophétique qui est sur moi, le faucon du ciel n'est pas digne d'être appelé notre frère. Le faucon du ciel n'est pas digne de prêcher la Bible. Na longolier avec l'onction qui est sur moi. Na longolier. Choper même quelqu'un. J'aime Bernard plus que Jésus. 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 Il y a quelqu'un. Ça c'est quoi ça? Jésus lui-même a dit que vous pouvez même me refuser. Azana a raison en dengue na yemoko. Parce que il y a bien ce qu'Azana. Il y a bien ce qu'Atelim. Je reprends là-bas na yanzam. Le faucon du ciel n'est pas digne. Il y a quoi simba micro na Bible à côté à Jésus. Désormais, étant prophète de l'Éternel, étant serviteur de Dieu sous l'onction prophétique qui est sur moi, na longo lié na ministère. Jésus est incomparable. Papa Jérémie, mon Jésus est incomparable. Na bandeli pour la troisième fois, mon Jésus est incomparable. Bakoko comparer Yesu na mutute. Selon la loi de Moïse, le faucon du ciel n'était pas digne ya kobenga nzambe ke papa. Parce que c'est un olivier sauvage, c'est un chien selon l'appellation de la Bible. Il était un chien. Il ne méritait pas, il n'avait pas les droits et la et l'héritage aux promesses de Dieu. Là que la maman bé soit maudit le faucon du ciel. Soit maudit au nom de Jésus Christ. Tu n'as pas droit au royaume des cieux. Il n'a pas droit. Na longolie. Na longolie en qualité de prophète. Yé azolinga prophète lokola nga. Nga lokola yé alingi aza mwana ya prophète nga pe na za tata na e. Na za prophète na longolie na sacerdoce. Yoza collègue Branham. Nous tous, nous en alignons. La puissance de l'amour de Dieu délivre. La puissance de l'amour de Dieu bénit. La puissance de l'amour de Dieu élève. Parce que les lobes ont été mis en branam. Parce que son tolobi, il y a comme menacé. Il y a une église, il y a un magistrat, il y a un procureur, il y a un généraux dans l'église. Il y a faible. Ba faible ma titi ya mike na kati ya zambe zanga tina. Ba ya ko finabiso parce que bazo sala buzo ba tolo ba te. Aujourd'hui pasteur Baruch peut dire que Branham était raciste, mais il a du vrai. Et puis c'est très dangereux. Et muto bongo soko yo noir ozolinga yendengeni. Donc comme c'est nzambe. Ben il faut qu'on lobi, j'aime Branham que Jésus. Oh linga binote wana ba noir. Au moins que na kindoki, il faut que dise la zalaga mundele na kindoki. Voilà, merci à tous et à toutes. Bienvenue chez nous, mesdames et messieurs. Encore une fois, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Jérémy Luemba, les Renards du désert est devant vous. Joyeux anniversaire à moi-même. Donc, je crois que mes amis, mes potes, nous sommes de cœur avec vous. Nadine et moi, Fouila, belle femme depuis Bruxelles. Mimindou, Meina Bundes. Yalou Zombala de Madrid. Le vieux Bobo Batombo. Et Maman Lami Bekantoine à Londres. C'est Mayasi. Je crois que vous avez belé. Merci pour votre particulière attention. Je reçois pour vous l'homme de Dieu, le prophète Félix Grasse, le jeune lion qui revient encore une fois. Tout me qu'un peu décortiquer l'actualité. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, papa Jérémy. Joyeux anniversaire. Merci, prophète. Zamba Pambolao. Amen. Abakiselo, sagesse, intelligence. Abakiselo, yo makashi. Yako salam sala oyo. Amen. Papa. En tout cas, bolamu yanzambe accompagne yo. Amen, papa. Voilà. Alors, tout font l'émission par la prière, papa. D'accord. Mon falme, ton akusif. Dina la koitawali, ukuwe peke le sel
et vrai Dieu que nous servons. En dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Mina ku ya panjuni ku ubiri nyonesha bantu se jina ya Yesu iku yulu ya matina yote. Kila mtu atafuate ye mission abarikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Alors prophète, d'abord boni état de santé moral les andé. Tout va bien? Tout va bien sans problème. Zamba zo batela biso. Voilà, c'est le plus important. Alors tozana marmeza et belé rusulula. Mais je dirais le tout premier sujet concerne les débats. Cette polémique, cette confusion autour il y a ma croyance, il y a mort en abysso. D'abord, par définition, qui est Jésus? Et puis, est-ce que Jésus avait aussi ses envoyés dans Mokilo? Jésus avait aussi ses envoyés. Jésus est notre Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Créateur de l'humanité. La Bible dit, toutes choses ont été créées en lui et pour lui. Ce que vous avez dit, prière, Père, kumisanga na kembo otozalaki nango na ebande. Donc Jésus est Dieu créateur. C'est lui-même Elohim, le Dieu créateur. Oui, l'apôtre Paul dit, s'il y a des choses qu'on appelle Dieu, mais pour nous, nous avons un seul Dieu et un seul médiateur qui est Jésus, l'homme. Donc Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, Jésus sur la terre, il a ses envoyés. Okokuta yango na Galate. Na Ephésiens chapitre 4, verset 11. Il a fait les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs et pasteurs. Batouana 5, Bazaba envoyé ya Yesu sur la terre. Bazo remplacé Yesu sur la terre. Parce que tant que Yesu a mati, Bible et lobby na Actes des apôtres, chapitre 1, et y a monté. Il a fait les dons aux hommes. Yesu zana ba don. Neti biso oto za ba envoyé de Dieu. Youti papa. Yosa biso simple prophète. Un prophète authentique. Un prophète clair. C'est un envoyé de Dieu. Ah oui. Neti yobo. Moi je suis un envoyé de Dieu. Preuve parfois yomo konanu oyebi. Que nous a envoyé de Dieu. Tu es même envoyé, tu es bien Simon Kimbangu, bah Mahomet. Chaque temps, nous avons travaillé avec la génération Mobo. Toutes les générations peuvent passer, mais Dieu reste le même. Nous avons travaillé avec Moïse, Moïse à l'Eka, a travaillé avec Josué, Josué à l'Eki, a travaillé avec Bajij, Bajij à l'Eki, a travaillé avec Samuel, Samuel à l'Eki. A travaillé na Nathan, à l'Eki, a travaillé na Eli, Élisée. Nous avons travaillé na Batouti, a ye kokoma awe pa na biso, Nathan ya grâce, Nathan ya bantoma. Il est le même Dieu. Il a toujours ses envoyés dans chaque génération. Mais est-ce qu'on peut aussi comparer Jésus na ba envoyé Moussoupe Nzambe? Jésus est incomparable. Papa Jérémy, mon Jésus est incomparable. Na bandeli pour la troisième fois, mon Jésus est incomparable. Bakoko comparer Yesu na mutute. Il est le seul et unique Dieu que nous adorons. Comment to comparer nana? Ko comparer par rapport ba qualité ba miracle ya sala na o ba envoyer musu ba sala kipe. So ki ba envoyer musu ba sali miracle. Ba sali ngo na ba kombo na bangote. Basali miracle na kombo na Yesu. Miracle o tozo sala lelo, tozo sala yango na kombo ya Feli Graste. Nazo sala miracle lelo na kombo ya Yesu. So Yesu ye moko sala miracle na kombo ya nani? Na kombo na ye moko. Il est le seul capable. So yko landi na Ancien Testament, ba prophète nyo swabanda kolobake. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Tous ces prophètes étaient les envoyés de Dieu.
Ba prophète yo sola basaki ba envoyer ya Nzambe. Maintenant langage na bango ezalaki ainsi du l'Éternel pour faire comprendre aux gens que ngana zo s'effacer. Nazo bimisa Nzambe, nazo bimisa Éternel, ngana zo s'effacer, ngana zo limwa. Ezanga muto nazo lobate c'est l'Éternel qui dit. Maintenant quand mon Jésus est venu, au lieu de dire que ainsi du l'Éternel, Jésus se tape la poitrine et lui dit en vérité, je vous l'ai dit. Or, en vérité, là, c'était lui-même la vérité. Il dit quelque part, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce qui est ma prophète, ma loba, ainsi dit l'Éternel, c'est l'Éternel Jésus. Donc, on ne peut pas comparer miracle yabat. Parce que miracle, nous sommes ça les maka. Na komo ce qui na koko kende mushika papa Jérémie na oloba ke to koko comparer miracle ba envoyer mususu ba sali na oye so salité parce que miracle nyo so ne salé mika ke pa ya Yesu Yesu ndezo sala. Alors ça c'est bon, très bien ce qui obéli na imposer yo loboko obiki ezangate eza Yesu banda bo imposanga loboko wana pona estomac na moni kimia. Ah, d'ailleurs, yo moko ozana témoignage. Ça fait 3 jours passés. 3 semaines passées. Tant au salut émission oyo. Ndé stoma wana bano betanga bano prier. Ah, na plateau ao. To salut cérémonie té. Na pesio mayo melaté. Na salé lo côté. Na imposé kaka loboko. Oui, mais pourquoi papa Jérémie j'avais imposé la main? C'est pour accomplir la prophétie de la Bible, Yesu lobi. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pourquoi mon ami Mokolozo Belawana na imposé yo kalobo kona tolo na lobi au nom de Jésus et guérison ekoti. Sikoyo na koki ko beta tolo tena matisa mapeka papa Jérémie bangaganga papa Jérémie keba na nga keba nga na lobo kona nga obika keba non wana je deviens orgueilleux, je prends la place de Dieu, ce que moi Félix grâce je peux faire et de m'effacer na bimisaka ka Yesu. Oh, bikiso ezangate. Oh, bikiso ezayesu papa Jérémie. Tiango na mutu na yo ke ezanga Félix grâce de Mokolowana ezangate ezayesu. Voilà, merci beaucoup jeune lion. Alors to progresser mukie. Hôtel qui propos tenu par le chantre de l'Éternel que nous connaissons tous, à comment pasteur, l'ifoko du ciel. Il a bien dit dans le discours na bino, je vais choquer quelqu'un. Et puis a lâché bombe à lui que il aime Branham plus que Jésus-Christ. Ba pasteur est belé, ba chrétien est belé, ba s'étonné, ba réaction comment tombé de partout. L'ifoko du ciel n'a pas raison, papa. Peut-il avoir raison? N'engabika linga Branham, collègue Jésus-Christ. Tout le monde a discours, il y a lobby ou bien tout ça n'est-ce pas? Je vais répondre à la question en deux facettes. Azana a raison na ndenge na ye moko. Parce qu'il y a yebi siga azali. Aibie seka telemi. Soko pona ba na ya Nzambe. Li foko di ciel n'est pas digne ya ko simba mikro na Bible ya kote ya Yesu. Désormais. Nga! Étant prophète de l'Éternel, étant serviteur de Dieu sous l'onction prophétique qui est sur moi, na longo liye na ministère. Longoli li foko di ciel. Oui, na longoli na ministère. Suivant la Bible parce que je vais le faire seulement avec la Bible. Donc au chasser li foko di ciel. Na longoli Nathalie Camera en qualité de prophète sous l'onction prophétique qui est sur moi. Li foko di ciel n'est pas digne d'être appelé notre frère. Li foko di ciel n'est pas digne de prêcher la Bible. Na longoli avec l'onction qui est sur moi, na longolier. Selon la Bible, Matthieu chapitre, avant de commencer, Matthieu, tout en allant nous Galates, chapitre 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Le foco du ciel a édifié le peuple en Abanzembonae. Qui nanya sambela na nzembo ya lifoko di ciel te. Puis il maîtrise des versets. Hein? Il maîtrise la Bible. Ah, na kotanga to kokoma place wana. Lifoko di ciel a édifié les peuples avec ses chansons.
Il parlait de Jésus. Il chantait que Jésus. Lelo, il faut qu'on dise à détourner, à se détourner. Et pas ya oyo a benga ye na kati yangol. Qui est le foco du ciel? Le foco du ciel, c'est un olivier sauvage. Moutou loko le foco du ciel na zolo ya boya koki ko benga zambe tata na yete. Selon la loi de Moïse, le foco du ciel n'était pas digne ya ko benga zambe ke papa. Parce que c'est un olivier sauvage, c'est un chien, selon l'appellation de la Bible. Il était un chien. Il ne méritait pas. Il n'avait pas les droits et, et l'héritage aux promesses de Dieu. Grâce à Jésus, c'est lui qui lui a appelé par sa grâce. Jésus, oh, il faut qu'on boye l'eau. A boye kolinga yesu, a lingi branam. C'est Jésus qui était mort. Il est mort, a vu olivier sauvage, il faut qu'au ciel, alors il faut que mutu mwindu. Tu ne méritais pas le royaume des cieux. Il faut que tu étais un chien, tu n'avais pas droit à la promesse de Dieu. Tu ne pouvais pas appeler Dieu d'Israël ton père, mais viens nazo kotisayo na sacerdoce royal. Aujourd'hui, il faut qu'au ciel chante la Bible avec quel droit? Par grâce de qui? Branham. Branham, est-ce que Branham était mort à la place du foco du ciel? L'apôtre Paul dit, je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Le foco du ciel a loué na oyo bengaye na ngolu na ibo akufelie akéi na évangile. Scandale. Scandale. C'est pourquoi il ne mérite pas d'autre appelé frère. Écoutez. Non, pas qu'il ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui vous veulent à renverser l'évangile de Christ. Écoutez, les faux du ciel est parmi ces gens au bas troublé par tous les autres. L'un des réseaux sociaux. Trouble, côté confusion. Trouble, mais la Bible a prédit ça, papa Jérémy. La Bible a prédit ça. Mais moi, je pensais qu'il avait raison. Papa Jérémy. Au moins, le problème est que tu es à la canine. Tu es à la Bible. Ah, ok, ma commis, fondement. Ma commis, papa. C'est ça notre constitution. Écoutez, l'apôtre Paul dit dans le 8e verset. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ce qui a tabissomoko, ata angelu auti na lola aye kote yebino sango malamu mususu diferent na oyo tote yebino mutona la kela mamabe. C'est pourquoi aujourd'hui il faut que du ciel à la kela mimabe. C'est pourquoi na lobi ke na longo lié na sacerdoce royal. Donc aux qualifier il faut comme un païen. C'est un païen. Mais papa Jérémy, lisons les écrits. Non, retirer ndengeni, effacer verset wana kashi. Papa Jérémy, effaçons ces versets. Osons permettre toi effacer yango tolo. Non, non, c'est la Bible, tu ajouter rien. Osons le bagage n'a retiré ni. Pour vous c'est le quoi païen. C'est un païen. Mais Bible a lobique mutuana la que la mamabe. Qu'est-ce que oui Bible lobique ata ange. Bible que mushika que ange a utilola. Aye côté bino sangomalamu. Sangomalamu c'est quoi? L'évangile c'est quoi? L'évangile parle de l'amour de Dieu. L'évangile, c'est l'amour de Dieu manifesté aux hommes. Maintenant, cet évangile ici, l'apôtre dit, Ata angelou a utilola, Ata yibino évangile ya bolingo moussous, Ezaya yesu te. Ala ke la mamabe. Sois maudit, il faut que du ciel. Sois maudit au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas droit au royaume des cieux. Il n'a pas droit. Na longolie. Na longolie en qualité de prophète ye azolinga prophète lokola nga nga lokola ye alingi aza mwana ya prophète nga pe na za tata na ye na za prophète na longolie na sacerdoce yoza collègue Branham nous tous dans na ligne moko. Matthieu chapitre 10 toltanga allez-y. Matthieu chapitre 10. Oh, Zambalola. Écoutez,
Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Yesu kumama. Lui faut quoi lobi ngana zo linga branam mingi koleka Yesu. Parce que Yesu yo wa lobi. C'est pourquoi au début na lobi que lui faut qu'on dise n'est pas digne. N'est pas digne de prêcher la Bible. N'est pas digne d'hériter le royaume des cieux. Yesolobi, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Luka place au tia lifoko. Donc c'est que lifoko il m'a créé trou naïe. Ami kundi. Papa a créé trou naïe moko. Ami kundi yé moko. Sur le pasteur, patanga la Bible en entièreté tous les années. C'est ça le grand problème. Hein? Papa Jérémy, chaîne Oyo et Pamboama. Amen. Chaîne Oyo et Pamboama. Nous avons tombé la chaîne Oyo et Komata. Amen. Nous avons prophétisé la chaîne Oyo et Komata. Amen. Chaîne Oyo et Zoé et Debiso, Tolo, la vérité est solo. Atabazo benasse Biso. Retirer émission la semaine passée. Ba retirer Yango. Ata bazo menace kasi ba retirer émission ba retirer Félix Graste ba retirer Molimo Monson tout est soki bazaya nzambe ba soki bazaya nzambe nzambe ba bundela kayete ba senga nzambe na bango a torturer biso a punir biso parce que to seli bango makambo soki za ya lukuta. Ah oui hein, nza papa ya Gédéon azoye bisa bande konaye ke soki bala za nzambe bo bundela yete botika bala mi bundela yemoko soki bango bazaya nzambe ba retirer émission. Ba retirer émission ba tobazo tuna nga papa émission tozo mona ngote émission to moni ngote émission e kei wapi parce que na suka ya émission ne zaki na ba déclaration prophétique ba to babiki na ba déclaration wana. Ah oui. Bazo tuna papa émission ngo ezate émission zoka ba païen ba retirer ba païen ba païen ba occultiste. Bible yango yo papa Jérémy. Is that clear? Bible is clear. Donde ndeko ndeko li faut konde za bongo. Aza ignorant, aza est-ce que ça va retour to bazo kota babilo baba monde mosusu to nini musala ya satana. Satana a se déguisé le kola ange de la lumière. Satana s'est déguisé le kola ange ya lumière. Musala na yeza ko séduire parce que si yeso lobit yeso lobina Matthieu chapitre 24 plusieurs faux prophètes viendront en mon nom. Musala na bango zaka ko séduire séduction to na ta ya séduction. Tous en attend il y a antichrist a sont opéré déjà. Papa Jérémy, antichrist est lingi kolobate que contraire à Christ. Non. Antichrist est lingi kolobate comme Christ. Il est comme Christ. Donc photocopie à Christ. Photocopie à Christ mais il n'est pas le Christ. Mm. Il est comme. Mourno konaye et aussi que tali au monde que as Christ hein. Voilà, si la Bible a mon salaire, a ti cravate, a la ti veste, a telemi na chère, a mon salaire, nzambe. A zo recite ba verset na zembo na ya ye Bible. Mais, mon nogonaye zo bimisa lukuta. Antichrist. Na se pela katango yo kita kaye papa. Quoi a changé le kouan? Nzembo a bien emba. A changé si quoi. Ou a pe sa ba verset, bele. Mon tango kita ka. Alors, tout à l'heure, on se continue. Tout en verset Moussous. Papa, au moins, il faut te détruire le Koyo. Tu as la Bible. Ah oui, hein. Tu as détruire la philosophie, la bisoté. Il faut te détruire la doctrine Oyo, à côté ça Oyo, kaka na Bible. Très bien. Matthieu chapitre 22. Tokita. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est clair. Aimons d'abord notre Dieu. Bah, y a les sous pour l'émission. Ce qui va me qui va obé la maladie à maba. Oko kweya na chère, oko kweya na chère. Nabino ba acolyte na bango. Boza avec le yesolobi, avec la koiko kambamana, avec le moussousou te.
bino nyonso boza ba acolyte boza lokola ba lifoko di sel ba acolyte ya Branham bino pe boza ba acolyte ya bato alimete boko bunga na bango boko bunga na bango. Vous avez le pouvoir aujourd'hui ya menacer biso ya koloba ke toko kanga chaîne toko kanga Jérémie toko kanga Félix grâce. Vous avez ce pouvoir, c'est parce que Christ vous l'a donné. Christ vous a donné ce pouvoir, mais il y aura un jour la gloire de Dieu le Père va s'éclater, vous serez détrôné et quelqu'un d'autre prendra votre place. Ma prophétie, moi, il y a malheur, il y a misère. Papa Jérémie, il y a beaucoup qui. Benginga olobi nanga prophète nazo banga, prophète nazo banga, nazo menace ya makasi. Et ça linga pas. Oyebi ya tango oyebi senga magamo na lobagi le susute. Namona mufani kalme. Oyena vandi kimi nanga lobi nzamba lolo. Finalement tozo kende wapi. Ton lobate? Confusion écoute. Mais tu oyo balobi que ton linga Branham akoleka yes. Branham mort ba tout taye na mutu kakufa banda ba kundaye ti lelo donc ba Branham ba Mahomet ba Kimbangu bango le tout seul Jésus, le seul Jésus. Oh, l'apôtre Paul dit je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu à celui qui croit. Quand je parle de Jésus comme ça, même si tu es malade là où tu es, tu as des problèmes difficiles, par la puissance de l'évangile, tu seras délivré. Yes. La guérison est en toi. Par la puissance. Non, je ne parle pas de l'évangile de mon père biologique. Je parle de l'évangile de Jésus qui était mort, enterré et ressuscité après 3 jours. C'est lui qui est capable de chasser les démons. Même si tu es lié par les démons de ta famille, ils ont l'andayo partout. Mais la puissance de l'évangile, la puissance de l'évangile, la puissance de l'amour de Dieu. N'a changé bongo. La puissance de. Pas l'amour de Branham, pas l'amour d'un prophète, pas l'amour d'un apôtre, mais l'amour de Dieu. La puissance de l'amour. Alléluia. La puissance de l'amour de Dieu délivre. La puissance de l'amour de Dieu bénit. La puissance de l'amour de Dieu élève. Ce que les lobes ont dit, c'est Branham. Tolobate, parce que son tolobi, ba ya ko menacer biso, na ba église na bango bazana ba magistrat, bazana ba procureur, bazana ba généraux na ba église na bango, biso ba faible, ba faible matiti ya mike na kati ya zambe zanga tina. Ba ya ko fina biso parce que bazo sala buzoba tolobate. Tolobate parce que bazo sala buzoba. Non. Bible lobi ke nzamba zo ka biloko eza faible. Atomboli yango pour confondre o bazo mi benga fort. Ah. Alors, je voulais compléter une chose, prophète. Namon a rappelé le pasteur Baruch Zika Songo, Aza Branhamiste. Mais après chaque docteur Jésus. Et puis, alors bien, que Branham fut un raciste. Aza Rote, mais la blanc, la noire. Alors que, puis, tout aux alibas descendant d'Adam et Eve. Le pasteur Baruch l'a lapidé. Branhamiste, il a tombé le Baruch, il a tombé le docteur Jésus. Et puis, il a souligné que Branham est raciste, il n'y a pas blanc, il n'y a pas noir. Il a raison. Il a raison. Comment Branham est blanc, il n'y a pas noir? Tout en Apocalypse chapitre 5. Pourquoi seulement il n'y a pas noir? Pourquoi il n'y a pas noir, blanc, il n'y a pas noir? Pas mondele, hein? Parfois il avait une mission et pas dans blanc, on ne sait jamais. Le pasteur Baruch le combattu, attaqué par le clan Branhamiste Moussou. Il y a aussi un autre Branhamiste qui a été 12 ans, oui, pasteur Pierre Casse. Car tu es digne, notre Seigneur et notre Roi, car tu as racheté pour Dieu de ton sang, les gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu y as fait de un royaume. Yoka versen denge lobi. Comment toko racisme et outiwapi? Racisme et outiwapi. Écoutez, il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Mouluba, Mouswahili, Moukongo, Moungal. De toute tribu, de toute langue, Kikongo, Kipende,
qui est indien, qui est Yeso somba bango nyoso de tout peuple et de toute nation. Yeso somba bis, nous sommes tous rachetés par le même sang de Jésus. A salabiso un royaume, pas deux royaumes. Azwa ba américain, ba indien, ba chinois, ba coréen, ba camerounais, ba égyptien, ba onyoso bazon di maïs Yeso comme Seigneur et Sauveur. Bible lobi ke azwa biso nyoso. Bible lobi racheté. A payé à prix à makila na ye. A komisa biso nyonso bana ya zambe. Koma psukoyo, brana ma kolinga kaka ba mindele. Abo ya kolinga ba noa. C'est un païen. Donc, a zana parti pris. A zana go divisé. Or, Jésus-Christ est mort pour tous les peuples. Très bien. Si aujourd'hui, pasteur Baruch peut dire que Branham était raciste, mais il a du vrai. Et puis c'est très dangereux. Et muto bongo soko yo noir ozo linga yendengeni. Comme c'est nzambe. Il faut qu'on lobi j'aime Branham que Jésus. Oh linga binote wana ba noir. Au moins que na kindoki il faut qu'on dise la zalaka mundele na kindoke. Alors merci beaucoup pour tous ces détails l'homme de Dieu. Je crois que il y a plusieurs propos, plusieurs discours, confusion quotidiennement trop. On ne sait pas prier qui. Le commissus Branham azali qui Jésus. Donc, toujours, Batesa va signer temps de la fin, ils allaient confusion côté. Pour citer, je vous laisse un minimum de temps quand même pour exhorter bah, fidèles chrétiens. Au baza égaré dans ma propos en lingoy. C'est tellement dangereux qu'on le bani papa. Merci beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Zambe apambola biso. Zambe apambola biso. Nazana kati na lingina, totanga verset moko. Na silisa na verse oyo. Makambu oyo. Esdras chapitre 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit du roi. L'Éternel réveilla l'esprit du roi de Perse qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son pays. L'Éternel réveilla l'esprit du roi. Batu oyo bakangami na boumbu. Nzamba prophétisé na prophète Jérémie. Alobike na okanga bino na boumbu, na otinda bino na boumbu. Mais après 70 ans na kobimisa bino. Certainement so nzamba lobili kambu ekokisamaka. Bakangi bango na boumbu, bakeyi basali 70 ans. Mais prophétie est précisée qui était que par quelle voix bakobima na boumbu wana. Sikoyo tant 70 ans et koti roi oyo ya Perse Cyrus yepe azui pouvoir mwana muke. Dans cette jeunesse, dans cette vigueur de la jeunesse, alobi que il faut na meka que pouvoir nanga eza makasi ou comment. Nde atuni batwana bazana ngambu baza banani. Bayebisi omoni batwana baza bayuda au roi ya Babylone kanga na boumbu ça fait 70 ans. Nde yelobi oh maintenant je vais essayer de connaître si mon pouvoir est puissant. Na okinde ko délivrer. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel réveilla l'esprit. Réveiller veut dire exciter. Donc l'Éternel excita l'esprit, réveilla l'esprit du roi. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Ozana posa ya eloko moko. Oyo, ozo luka na vie. Me eloko ozo luka wana ezana maboko ya mutu moko kelke pa. Nyoso to senga ka nzambe e utaka lolate. Soiko ebisi nzambe pesanga musala. Nzamba ko kitisa musala na lolate. Soiko sengi nzambe pesanga mutuka. Nzamba ko kitisa mutuka na lolate. Soiko sengi nzambe, nzambe na lingi na bala. Pesanga mukanda. Nzamba ko tinda ba anji ba peso mukanda te. Biloko nyoso zana ngo posa nzamba che yango na maboko ya batu sur la terre. Soiko probleme zani. Probleme zaka ke nzambe a reveye esprit ya mutu wana zana eloko wana. Nzamba excité motema ya mutu wana azana eloko wana. So nzamba réveiller eloko motema na ye akoya mbangu amonike ozamwasi akobala aye kobala yo. Fiancé wana zole lisa yo wana anyoko yo wana. Il suffit seulement nzamba excité motema na ye. Nzamba réveiller esprit na ye akosituka amonio. Musalo zoluka wana ezana maboko depuis okotisa dossier. Ti lelo
bazo peso musalate bazo zo na musala problème ezaka nzamba réveiller esprit ya mutu wana chef ya musala po atanga dossier na yo. C'est pourquoi na zo déclarer et lokonyo soluka tamulai omona yango te et kangami quelque part nzamba excité motema ya mutu azana eloko na ya ko pesa yo yango. Soyo soluka promotion, nzamba réveiller esprit ya chef na yo amatisa yo promotion. Soyo soluka voyage, ozokuluka mukanda, nzamba réveiller a excité motema ya mutu wana apesa kamikanda apeso mukanda. Proverbe chapitre 23 Bible lobi. Le cœur de l'homme, le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Motema ya mokonzi eza lokola mai na maboko ya Nzambe. Azokwe isa yango esika ye alingi. C'est-à-dire, Nzamba koki ko simba motema ya mobali wana zobo ya yo wana. A incline yango epana yo mobali wana alingi kaka yo. L'Éternel réveilla l'esprit du roi. Nazo tatola na vie na yo. Et lokonyo soluka tamulai omona yango te. Kande ngozo landa emission oyo. Ozozwa eloko wana sanko luka yango. Oyo nyonso bato ba pimela yo. Nzamba tobola yo ebima na nzoto na yo. Oyo nyonso baluka malheur na yo. Nzamba confondre vie na bango. Ba mona malheur wana ezongela bango. Bien-aimé dans le Seigneur. La puissance de l'évangile. L'apôtre Paul dit, le discours que je vous ai amené n'est pas fondé sur un discours vain. Mon enseignement n'est pas fondé sur un discours vain, mais sur la démonstration et la puissance du Saint-Esprit. Et quand je parle là, je me pose sur la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Quand je parle, mutu nyoso akozwata téléphone na ye po abenganga. La puissance du Saint-Esprit et qu'on se transmettre et pas na ye ba porte nyoso kangama ki liboso na ezo fongwa na kombo na Yesu. Na lingi na sambela pona yo. Ninyo luka omonate nino zana ngo posa osenga bato ba pimela yo problème nini zo lelisa yo. Je parle de la puissance de l'évangile, la puissance de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu brise les chaînes, la puissance de l'évangile brise les chaînes. Je viens de prier pour un frère, prostate ba opéré ezo simbate. Basala tu ezo simbate landi mission to usambeli na bise papa tikelanga kakatana tu na nzambe. Le Seigneur nous a donné la directive. Nous avons prié pour ses frères pendant 7 jours. Après la prière, ses papas est guéri. Quand tu l'es rentré à l'hôpital, ba médecin ba mindele ba zolo, mais ce n'est pas possible. Oh, la Bible dit en Luc, le docteur Luc dit, rien n'est impossible à Dieu. Quel problème aux anangoana? Nani zo pekisa yo obenganga pona sambela pona yo. Muto zo pekisa yo wana, muto zo décourager yo wana. Azana capacité ya kopesa yo solution te. Ako seka yo kaka, ako lobela yo kaka, mawen, mawen. Mena kati ya mawana ye wana, incapable ya kopesa yo solution. Mais le seul capable, c'est mon Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Numéro nanga yango wana. Nyon soza nango loko la problème, benga na numéro. Plus 243, 85, 289, 42, 44. Plus 243. 85, 289, 42, 44. Ata obenga batu, omone lokote. Mais quand Zambé ya jeune lion, c'est un Dieu puissant, capable de tout. Tozana ba témoignage ebele. Ebele, ebele. Koutou papa Jérémy Koloshène oyo. Oyo ki abouti kope sa témoignage na ye. Après émission, zo yo ka estoma yo sale passe. Après émission, lobi papa. Nazana poso sambele ponanga nazo bela. En présence, il y a plusieurs témoins basala qui na plateau. To imposer juste le bouc na tolo. To slobi na kombo na Yesu. Amen. Malade est disparaître. Le Dieu du ciel est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Il faut que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Il n'a pas qu'à quoi tout l'a ouvert. Oui, frère. Je vais choper même quelqu'un. Moi, t'as dit, ça me passe dans mon tout. J'aime Branham plus que Jésus. Moi, je l'ai Branham que nous t'a dit. Y a quelqu'un. Yanamutu. Ça c'est quoi ça? Yaiki. Jésus lui-même a dit que vous pouvez même me refuser. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, que quelqu'un me crie Alléluia.
Et Dieu lui-même dit, on peut le refuser lui, mais ses enfants, vous pouvez m'haïr, mais si vous aimez mes enfants, alors moi aussi je vous aimerai. Dis-moi là-bas, parle life. Là-bas derrière, là-bas, dites life, parle.